Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau format pour Radio Gazette. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial, le temps additionnel va se déplacer. On est à Toulouse, en tout cas pas très loin de Toulouse, et on part aujourd'hui direction Bordeaux. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de Vincent. Salut tout le monde. Voilà, Vincent, un ami à moi donc du lycée qui aujourd'hui m'accompagne sur une interview. Donc on va vous en parler un peu plus dans la voiture. En tout cas c'est parti, let's go. Du coup ça y est, on est installé dans la voiture. On a passé du coup le péage. Et donc pour vous expliquer un peu plus ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va interviewer du coup Bastien Vergne, joueur professionnel de l'UBB, donc Bordeaux Bègles, qui est actuellement leader en top 14. Pour mes amis rugbyman qui étaient un petit peu frustrés après ma première émission, que j'ai pas trop parlé de rugby, voilà. Ça c'est pour vous, c'est spécial dédicace. Alors pourquoi on va rencontrer Bastien Vergne avec Vincent? Parce que justement Vincent le connaît un petit peu, c'est lui qui m'a donné son contact. Je vais te laisser expliquer comment. Oui, alors en fait c'est le copain de ma cousine. Donc je savais que du coup tu faisais un peu des interviews ou des émissions. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Je lui ai proposé l'idée, franchement il était hyper chaud. Donc voilà, hyper sympa là, donc du coup on va manger chez lui. Ouais c'est ça, c'est ça. On a été invité du coup par Bastien à manger chez lui, donc franchement trop sympa de sa part. Du coup on a franchement hâte d'y être. On va pouvoir le rencontrer et tout, donc c'est très cool. Et on verra ce que ça donne pour la suite. En tout cas, on est parti, on est sur la route, on vous laisse et à tout à l'heure. C'est parti, direction Bordeaux. Sur l'autoroute. Ça fait pas genre 5 fois que tu le fais? Si, ça fait 5 fois que je le fais. En fait, j'avais pas compris, je pensais que tu sais, quand il y avait écrit reste à payer, normalement il y a écrit 2,20€, ça baisse quand tu mets les pièces. Mais en fait, ça baissait pas, du coup, je l'ai fait sur les 3 machines. Le choix du primeur. Franchement, il est trop bon. Vanille, c'est le meilleur. Oui. On a de la chance, il fait tarpin beau. Ouais, franchement. Quasiment arrivé, on est sorti de l'autoroute, on est à 10 minutes de chez Bastien. Du coup, juste petite précision, ce petit vlog donc il sera disponible que sur YouTube évidemment, parce que c'est un format vidéo un petit peu spécial pour changer un petit peu de tout l'autre contenu qu'on peut proposer sur la chaîne. Donc on vous mettra des extraits de l'interview juste après, et ensuite l'interview sera autrement en exclusivité et en intégralité sur une autre vidéo à part dans la chaîne et sur Spotify, etc. Enfin sur toutes les chaînes. Voilà, quelque chose à rajouter. Ok, on est arrivé devant chez Bastien, du coup il nous attend pour manger, donc on y va et on se retrouve tout à l'heure. Donc bonjour Bastien, merci beaucoup de nous recevoir, ça me fait très plaisir de te rencontrer. Donc bonjour, merci à vous d'être venu, c'est super gentil. Moi Bastien Vergne, je viens de la région toulousaine. Voilà, j'ai grandi à un petit village à 30 km au sud de Toulouse. En fait j'ai découvert ce sport par l'intermédiaire d'un voisin qui lui jouait à Hauterive. J'ai rejoint Colomiers, j'ai fait toutes on va dire, les étapes classiques, cadet, crabos, espoir, jusqu'à signer mon premier contrat professionnel il y a 2 ans. Donc j'ai passé 9 ans à Colomiers et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir partir à Bordeaux l'année dernière et d'avoir signé un contrat pour 3 ans. Donc là je suis dans ma première année, j'espère que voilà, je pourrai faire ma carrière à Bordeaux, pourquoi pas. M'a plu, je me suis dit quand même les mecs ils sont réglo et honnêtement je m'y attendais pas du tout en fait. La première fois qu'ils m'ont appelé, j'étais en train de. C'était l'été, je buvais des coups sur la terrasse chez mes parents. Et la première fois, ça fait tout drôle. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un qui se fout le boxon quand ça va pas. Oh, ça y est. Comment vous dire? Ah ouais. Que de choses folles qui se sont passées.
Ouais, bel après-midi. Hein, on a affreusement bien mangé. Là, il est pour vous dire, il est 6h. Ouais. Plus de 6h. On est arrivé à même pas 14h. Donc, on est resté 4h avec, avec Bastien. C'était trop bien. Franchement, un super gars. Super gars. Trop cool. Bah, simple. Et, hein, ouais. Simple comme on les aime. Pas un mec compliqué, quoi. Non, mais c'est pas un mec qui a la grosse tête. Ah non, voilà. Franchement. Non, franchement, c'était très cool. Et on s'est régalé. On a affreusement bien mangé. Vraiment, j'ai vraiment plein. C'est fou. Ah oui. Et du coup, c'était trop cool. Du coup, là, on repart sur Toulouse. Allez. Et voilà, non. Ballon ou Bordeaux Bègles ira jouer ce week-end d'ailleurs. Arrivé, voilà, carrément fini dans le noir. Du coup, il est 22h passé là. On est arrivé chez Vincent. On aura passé une journée très longue. Ah ouais, très longue. Très longue, mais qui est passée vite parce que c'était cool. Et ouais, du coup, incroyable quand même. Ouais, franchement, c'était cool. On espère que l'interview va vous plaire. Pendant que j'ai évoqué, on a encore bouffé comme des porcs. Du coup, on espère que l'interview va vous plaire. Il y a eu quelques extraits dans cette vidéo. Elle sera retrouvée en intégralité sur notre vidéo. Voilà. Donc c'était Radio Gazette, le temps additionnel, allez. Nouvelle émission. Ici on ne connaît rien mais on parle de tout. Ciao.